Le silence et l'oubli. Voilà ce qu'Arsène Housset, grand auteur romantique du 19e siècle, souhaita aux femmes de la commune. Contemporain de Baudelaire et de Zola, Housset espérait que s'efface le souvenir de ces femmes qui n'étaient plus tout à fait des femmes, mais des figures guerrières, ennemies de la propriété bourgeoise et incendiaires supposées des monuments de Paris. Depuis, le temps a passé et Housset est tombé dans l'oubli. Mais les femmes de la commune, elles, n'ont pas disparu des mémoires. Notamment leur figure de proue, une certaine Louise Michel. De nos jours, nombreuses sont les villes comptant une rue, une école ou un métro Louise Michel. Celle que l'on surnomme la Vierge Rouge a profondément marqué son époque. Ce surnom lui-même ne doit rien au hasard. Ses adversaires le lui ont donné parce qu'elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais été mère et a porté toute sa vie le deuil de la commune, comme Marie portait le deuil du Christ. Ils iront plus loin en se moquant de ce qu'ils appellent ses travestissements, c'est-à-dire son habitude de porter des uniformes d'hommes au combat. Ils insulteront aussi son physique et essayeront de faire d'elle une déviante méprisable. Pourtant, si l'on va au-delà de ces clichés cruels et simplistes, on découvre rapidement que Louise Michel a surtout été un personnage complexe, humaniste et engagé. Devenu le visage d'un des plus célèbres soulèvements populaires de l'histoire française. Dans la vie, Louise Michel ne partait pas forcément gagnante. Bon déjà, c'est une enfant illégitime. Sa mère, Marie-Anne Michel, une servante, l'aurait eu avec son employeur, un châtelain du nom de Laurent Desmahy, en 1830. Le père de Laurent, Charles-Étienne Desmahy, est quant à lui un vieil aristocrate voltairien. Et contrairement à la tradition, il refuse catégoriquement de chasser Marie-Anne et son enfant bâtard. Entre charité chrétienne et valeur des Lumières, il décide de superviser son éducation, et lui permet même de l'appeler grand-père. Cette éducation libérale, très inhabituelle vu la naissance et la classe sociale d'origine de Louise, lui forge une personnalité à part. Dès l'adolescence, elle cultive un goût prononcé pour la littérature, s'essayant même à la poésie. Grande admiratrice de Victor Hugo, déjà célèbre dans les années 1840, elle a même le courage de lui envoyer ses textes, espérant un retour critique de l'auteur des Misérables. Et le plus incroyable, c'est que Hugo lui a répondu. Devenue adulte, Louise Michel déménage à Paris dans le bouillonnant quartier Montmartre. Elle, que sa naissance aurait dû priver d'éducation, choisit de se consacrer à celle des autres et devient enseignante. Pour elle, les instituteurs sont les obscurs soldats de la civilisation. Une idée que l'on retrouvera plus ou moins dans la figure des hussards noirs de la Troisième République. Dès ses débuts, elle se distingue par une pédagogie inhabituelle. Loin de la broderie et du catéchisme habituellement prodigué aux jeunes filles, elle leur enseigne les mathématiques et la littérature. Elle rêve ainsi de former une jeune génération d'individus équipés intellectuellement pour mener la lutte des classes et établir une société plus juste et plus égalitaire. En effet, en parallèle de sa vie d'enseignante, Louise Michel est aussi très active sur le terrain politique. Elle entre en relation avec des partisans républicains comme Jules Favre, Georges Clemenceau et les militants de Louis Blanc, qui joueront tous un rôle durant l'insurrection parisienne de 1871. Plus notable encore, elle se joue en première grande figure du féminisme français, réunie dans la Société démocratique de moralisation, ayant pour but d'aider les ouvrières à vivre par le travail. Ces rencontres l'aident à forger ses opinions politiques, et lui confèrent une certaine réputation, qui va lui permettre de s'investir pleinement dans les événements de la Commune de Paris. Le 2 septembre 1870, la défaite de Sedan fait brutalement s'effondrer le Second Empire de Napoléon III. L'armée française est dépassée et a du mal à contenir les Prussiens, qui débutent le siège de Paris le 18 septembre. Dans le chaos, la Troisième République est proclamée et des élections sont organisées, tandis que les tensions montent partout dans le pays. Ces élections brouillonnes offrent une victoire inattendue des monarchistes en février 1871, car, tout simplement, dans tout ce désordre, ils étaient les seuls à promettre la paix. À la tête du nouveau gouvernement, Adolphe Thiers prend une décision fatale. Le 18 mars, devant Paris qui refuse l'armistice promise par les monarchistes, il ordonne la saisie des canons, dont se sont emparés les défenseurs de la capitale. À la tête de cette mission ingrate, les généraux Lecomte et Clément Thomas font face à l'hostilité des Parisiens, qui résistent seuls contre la Prusse depuis des mois. Le ton monte rapidement, les soldats refusent de tirer sur la foule et laissent leur chef se faire arrêter. Dans un désordre total, Lecomte et Clément Thomas sont exécutés pour trahison. Nous sommes le 26 mars et la Commune de Paris est proclamée. Fortement impliqué dans ce mouvement révolutionnaire,
Louise Michel se distingue rapidement. Tellement rapidement en fait, qu'elle a malgré elle effacé le souvenir d'autres femmes engagées dans l'insurrection. Alors que l'on sait que beaucoup d'entre elles sont loin de s'être économisées pendant les quelques mois qu'a duré la commune. Lors du siège dès le 18 décembre, Louise avait demandé à ce que l'on équipe un bataillon de femmes pour aller défendre Strasbourg. Mais on lui avait refusé. Avec de nombreuses femmes, elle veut faire comme en 1789. Profiter de la faiblesse du pouvoir pour marcher sur Versailles et faire tomber le gouvernement. Mais si ce projet-là n'aboutit pas non plus, cela n'empêche pas Louise de se faufiler hors de Paris et d'aller à Versailles pour essayer de soulever des soldats contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Elle se retrouve alors parfois ambulancière, mais elle est aussi présente dans les forts et plus tard sur plusieurs barricades. Elle y porte l'uniforme de la garde nationale, comme un homme, tandis qu'elle participe au combat pour repousser les Versaillais. Au milieu des affrontements se distingue la figure de Théophile Ferré, qui compte parmi les révolutionnaires les plus intransigeants du mouvement. Parce qu'il est une sorte d'incarnation vivante de la commune, Louise développe une admiration sans bornes pour cet homme. Sans être côte à côte, ils se battront tous jusqu'au bout, et jusqu'à la défaite. Du 21 au 28 mai 1871 se déroule la semaine sanglante. Réorganisés, rééquipés, remotivés, les Versaillais lancent une attaque générale sur Paris. Maison après maison, quartier après quartier, ils reprennent progressivement la capitale, arrêtant et fusillant tous les communards qu'ils peuvent croiser. Ferré finit par être capturé, puis exécuté à Satory le 28 novembre suivant. Au milieu du charnier, Louise Michel finit pourtant par se rendre, presque honteusement, pour sauver sa mère que les Versaillais avaient arrêtée et prise comme otage. Lors de ses interrogatoires, Louise essaie d'abord de minimiser son rôle dans la commune. Ce qui peut sembler crédible, bien que les communards aient voulu améliorer le sort des femmes, avec l'égalité salariale et l'accès à certains métiers par exemple, celle-ci est restée privée du droit de voter ou d'être élue, et donc de la possibilité de vraiment peser politiquement. Mais l'attitude prudente de Louise Michel est peut-être également motivée par la peur de mourir à son tour, ou bien par une volonté de mettre en avant l'idée que c'était le peuple de Paris qui s'était soulevé tout entier, et qu'elle n'avait été qu'un rouage de plus dans cette vaste mécanique. Mais lors de son procès, cette défense va subitement voler en éclats. Le 16 décembre 1871, à Versailles, le conseil de guerre réunit 2000 spectateurs pour assister au procès ultra médiatisé de l'une des figures les plus célèbres et inattendues de la commune de Paris. Installée malgré elle sous un crucifix sur le banc des accusés, toute vêtue de noir, en signe de deuil envers ses camarades fusillés, Louise écoute avec dignité les actes d'accusation portés contre elle. On l'accuse notamment d'avoir participé à la mort des généraux Lecomte et Clément Thomas, déclenchant ainsi le soulèvement parisien, mais aussi d'avoir conduit les actions des pétroleuses, ces femmes de la commune que les Versaillais font passer pour les incendiaires de nombreux monuments parisiens, de l'hôtel de ville au palais des Tuileries. Il faut cependant souligner que l'on ignore si Louise a vraiment joué un rôle dans les incendies qui ont ravagé Paris. La plupart ont été allumés par des hommes, ou bien causés par les bombardements. À la surprise générale, et alors que ses juges s'attendent à ce qu'elle nie les faits comme nombre de ses compagnons, Louise Michel assume ses actes, et même bien plus que ça. Sachant que le tribunal militaire ne l'épargnera pas, elle a même le culot de revendiquer des crimes dont chacun sait qu'elle ne peut pas les avoir commis. Pourquoi ? Bon, déjà pour défendre ses camarades qui risquent la mise à mort, de deux pour marquer les Versaillais, et aussi dernièrement pour défendre l'idéal révolutionnaire. Plus que ses actes, avérés ou revendiqués pour couvrir ses camarades, c'est cette ténacité et cette audace qui achèvent de faire d'elle l'une des plus célèbres figures de la commune de Paris. Vous êtes des hommes, et moi, je ne suis qu'une femme. Et pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. À cette époque, Louise a 40 ans. Porte-étendard d'une commune réprimée dans le sang, elle devient la Vierge Rouge. Mais malgré son culot et l'intransigeance affichée du tribunal, Louise n'est pas condamnée à mort. On l'enferme d'abord 2 ans à la prison d'Aubrive. La commune vaincue, elle se retrouve enfermée, isolée et traînée dans la boue. Ses amis lui semblent être tombés pour rien. Comme un spectacle, la population vient observer les prisonniers à travers les grillages. Le communard survivant devient un animal de cirque. Dans ces conditions, Louise entame une période dépressive. En 1873,
Alors que sa réputation grandit parmi les républicains et les partis de gauche, le gouvernement décide de l'éloigner très très loin. Elle, qui n'a jamais été mariée et n'a pas eu d'enfant, se retrouve ironiquement embarquée sur le Virginie, qui l'emporte vers l'océan Pacifique. Louise Michel va passer 7 ans en Nouvelle-Calédonie, et contrairement à l'idée reçue, elle n'est pas enfermée au bagne ni contrainte aux travaux forcés. Si certains de ses compagnons masculins de la commune ont bien connu ce sort, Louise a quant à elle été enfermée sur la presqu'île Le Ducos, sur laquelle elle peut se déplacer à peu près librement. Bon, c'est pas pour autant le paradis. Les prisonniers mangent mal et peu, et les gardiens sont agressifs, voire cruels. Prisonnière calme, elle obtient l'autorisation de s'installer à Nouméa en 1879. Elle y redevient enseignante d'abord auprès des enfants de déportés, puis de gardiens peu éduqués, et enfin des filles des colons libres. Durant son séjour, elle va également s'intéresser à la culture kanak et au sort réservé par la France aux natifs de Nouvelle-Calédonie. Elle va apprendre leur langage, du moins en partie, puisqu'il y a une trentaine de dialectes en tout, et aussi porter à l'écrit, traduit dans un français poétique, une grande partie des mythes fondateurs du peuple kanak. Mais parmi les prisonniers, son comportement détonne, car certains ex-communards s'avèrent très colonialistes. Il faut savoir que beaucoup de personnalités de gauche de l'époque, parmi lesquelles Jules Ferry, le fameux père de l'éducation nationale gratuite et obligatoire, pensaient que l'Europe avait un devoir de civiliser le reste du monde, qui était à leurs yeux peuplé de sauvages. Certains de ces anciens communards participent donc à la répression violente de la révolte kanak de 1878. Mais Louise Michel, elle, va prendre publiquement la défense des natifs. Pour elle, le combat de la commune pour revendiquer la justice sociale n'est pas très différent du combat des Kanaks, qui revendiquent une égalité avec les Français et le respect de leurs traditions. À ses yeux, l'humanité est une et indivisible, et toute forme d'oppression est inacceptable. Afin qu'ils puissent se battre avec les mots, elle va donc mettre en place des classes spéciales pour leur apprendre à parler, lire et écrire le français. En 1880, Louise est finalement graciée par les républicains au pouvoir, et elle obtient le droit de rentrer en métropole. À sa grande surprise, et alors qu'elle pensait qu'on l'avait oubliée, elle est accueillie triomphalement à Dieppe dès sa descente du navire. À Paris, ce sont plusieurs milliers de personnes qui viennent l'acclamer à sa descente du train à la gare Saint-Lazare, parmi lesquelles Georges Clemenceau et Louis Blanc. L'entrain est si fort et inattendu que la police doit intervenir et disperser la foule. Pour Louise, c'est un signal fort. Elle a encore un rôle à jouer dans les luttes sociales de son pays. Jusqu'à sa mort, Louise Michel sillonne la France et l'Europe. Elle est accueillie un peu partout pour s'exprimer lors de réunions publiques et de débats d'idées. Avec son esprit vif et sa plume éclairée, elle s'impose en quelques mois comme une figure incontournable de la gauche française et européenne. En parallèle, elle fait publier plusieurs ouvrages qui sont des succès en librairie. Ses ventes vont lui permettre de vivre, mais témoigne aussi de la curiosité que suscitent les idées progressistes de la gauche radicale de l'époque. Dans un environnement politique très partisan et parfois très clientéliste, elle n'a pas peur d'afficher clairement ses convictions, quitte à se heurter à ses adversaires, et même parfois à froisser ses amis et ses soutiens. Ainsi, en 1882, alors qu'elle est invitée à un rassemblement parisien, Louise Michel dénonce ceux qu'elle appelle les socialistes autoritaires, favorables aux petites réformes timides et au parlementarisme bourgeois. Dans la foulée, elle proclame son attachement pour les socialistes libertaires du mouvement anarchiste, qu'elle encourage à adopter le drapeau noir à la place du traditionnel drapeau rouge, que s'est approprié cette autre gauche qu'elle juge trop timide. Cet engagement, vu son passé, va évidemment lui attirer tout un tas d'ennemis, y compris désormais issus des partis de gauche. Mais bon, se faire des ennemis, elle commence à en avoir l'habitude. Le 9 mars 1883, après une manifestation aux Invalides qui tourne au pillage et à l'affrontement avec les forces de l'ordre, Louise est condamnée à 6 ans de prison. Libérée au bout de 3 ans, pour revoir sa mère sur le point de mourir, elle est de nouveau emprisonnée pour quelques mois en 1886, puis en 1890. Entre les deux, en 1888, alors qu'elle a 58 ans, elle subit même une tentative d'assassinat, lors d'un discours dans la ville du Havre. Dans les années 1890, Louise s'installe 5 ans à Londres, où elle gère une école libertaire et se rapproche de la Deuxième Internationale Socialiste. Elle encourage ainsi les gauches de tous les pays, et notamment les anarchistes, à ignorer les frontières et à se coordonner pour défendre ensemble les mêmes causes au même moment. De retour en France lors de l'affaire Dreyfus, elle refuse de prendre parti parce que tout un tas de personnalités de gauche soutiennent déjà l'un ou l'autre camp.
et que cela lui semble être une quantité de division aussi suffisante qu'inutile. Mais après une conférence en Provence, la fatigue commence enfin à la rattraper. Âgée de 74 ans, elle sillonne la France et l'Europe sans interruption depuis son retour de Nouméa, il y a près de 25 ans. C'est finalement à Marseille qu'elle s'éteint le 9 janvier 1905. Le 22 janvier, une foule d'environ 100 000 personnes se réunit à Paris pour accompagner son cortège funéraire. Louise Michel n'est pas enterrée au Père-Lachaise, là où sont morts fusillés des dizaines de communards. Les autorités le lui ont refusé. Sa tombe se trouve donc à Levallois-Perret, dans le cimetière d'une ville bourgeoise, comme un pied de nez final à ses adversaires. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire pour avoir effectué les recherches et avoir préparé le script de la vidéo. Merci également à Simon de la chaîne L'Atelier d'Histoire, docteur en Histoire Contemporaine, pour avoir aidé à la relecture du texte. Ils ont tous les deux une chaîne YouTube, dont Simon qui a fait une série spécialement dédiée à l'histoire de la commune, donc je vous mets des liens en description. Pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Instagram, et à la prochaine.